Salut tout le monde, on est de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bonjour à tous, salut tout le monde. Donc aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière, ça va être un petit peu un vlog. On va vous parler, on va vous parler tout d'abord de notre ouverture Carnassier 2017. Ensuite on va vous expliquer un petit peu la chaîne en ce moment, pourquoi il y a des vidéos qui sortent en retard, des choses comme ça, et puis voilà. Donc on va parler un peu de notre ouverture. Ouais, tout d'abord. Donc alors notre ouverture, nous on l'a fait en flot de tube sur une rivière à côté de chez nous. Donc ça a été très difficile, on l'a vu, on n'a pas vu de poisson. On a fait capot, quoi. On a fait clairement capot. On a pêché de 7h à 17h, à la fin on avait marre. Ouais, on en avait marre. Donc, j'ai décroché une perche le matin, tout ce que j'ai tapé une perche. Moi j'ai rien vu. c'était vraiment la galère. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si c'était un peu pareil ou si vous avez réussi à sortir du fish. Mais nous en tout cas c'était vraiment la galère. Pourtant on a testé tout type de pêche. On a testé les petits leurres, la perche, on a testé du 4 pouces, du 5 pouces, on a testé du big bait, on a testé du silure. On a pu croiser d'autres pêcheurs sur la rivière, on leur a demandé si eux ils avaient fait du poisson. Ils étaient dans le même cas que nous. Aucun poisson. Un peu tous dans le même cas. En tout cas dans notre rivière. Pas de poisson qui a été fait. Ouais. Ou que quelques-uns. C'était complètement la galère, même que ce soit pour les sessions en ce moment, pas que pour l'ouverture, on galère à faire du fish. Depuis l'ouverture, Rémi, toi t'as fait un broc. Un broc, c'est tout. C'est tout ce qu'on a fait, vous verrez la vidéo samedi, on sort quand même. C'est assez pitoyable. un broc qui fait quoi, 40. Oui, on n'y peut rien. De toute façon, faut insister, on insiste. Puis on se dit que ça payera forcément à un moment donné, donc on continue ça, à pêcher. C'est pas pour ça qu'on va s'arrêter de pêcher, hein. C'est pas du tout. Les capots, c'est normal, mais en fait, à la pêche, on peut pas toujours faire du poisson. Et puis c'est un peu le but de la pêche. On fait forcément des capots. C'est normal. Et du coup voilà, c'était juste pour vous dire un peu comment, pour ceux qui n'avaient pas suivi sur Facebook tout ça, c'est pour vous dire un peu comment s'était passée notre ouverture et pourquoi il n'y a pas de vidéo ouverture carnassier, parce que simplement parce qu'on a fait capot. Donc voilà. Donc ensuite on va parler des vidéos sur la chaîne YouTube. Donc on a eu quelques retards sur certaines vidéos. Ouais. C'est possible qu'il y en ait encore quelques-uns ou qu'il y ait des vidéos qui ne sortent pas le mercredi ou le samedi. Parce que Clément, lui qui fait les montages, et Rémi également, ont des examens. Ouais. Donc, on passe des examens à la fin de l'année. Moi, je passe. J'avais des oraux la semaine dernière et je passe le BEP à la fin de l'année. Et moi, je passe le bac de français. Donc, les week-ends où on devait à la pêche, ils se transforment en révision pour le bac. Voilà. Donc, ça, c'est galère. C'est ça. Et du coup, moi par exemple la semaine dernière j'avais des oraux, donc la vidéo qui est sortie dimanche au lieu de samedi dernier, du coup j'ai pas pu la sortir samedi parce que le soir en semaine quand je rentrais chez moi, j'avais pas forcément le temps de faire les montages, de passer mon temps sur les montages parce que je préférais réviser et assurer mes leçons plutôt qu'assurer les montages. De toute façon, YouTube. C'est normal, ça passe en dernier. Ouais, YouTube, comme on le dit, c'est pas notre vie, ça reste un loisir. Avant tout, ça reste les cours, les leçons. Ensuite, c'est la pêche. La pêche, pour nous, faire du poisson. Et ensuite, c'est YouTube. Voilà. Partager notre passion. C'est ça. Mais le principal, ça reste les cours et faire du poisson. Donc voilà. Ouais. Après, on garantit pas que pour l'instant, les vidéos sortiront toujours le mercredi et le samedi. Mais normalement pour l'instant ça devrait être. Généralement c'est le mercredi et le samedi. Ouais. Il peut y avoir quelques décalages deux jours. Et il peut aussi y avoir pas de vidéos un mercredi. Oui voilà. Vraiment il y a plus de contenu. On verra bien. Après ça dépend si on fait du poisson ou pas. Et puis n'hésitez pas aussi à nous dire dans les commentaires si vous avez des idées de vidéos qu'on pourrait faire, des choses comme ça, des présentations de l'heure ou des explications. N'hésitez surtout pas à nous dire, ça pourrait nous donner des idées, pardon. Et du coup voilà. Si vous voulez qu'on vous fasse un peu plus de tutos sur des nœuds, sur des choses comme n'hésitez pas à nous dire. Ouais. Et pour ceux qui viennent d'arriver, on a aussi une page Facebook. On publie souvent des trucs. Une page Des codes promo, des actualités, quand on fait du poisson, nos sessions, nos sorties. Des photos. On a une page Facebook, on a aussi un compte Facebook, c'est mon poste. C'est Geofishing, c'est mon poste le plus d'infos. Et on a un compte Twitter aussi. Donc il s'appelle également Geofishing. Ouais, c'est ça.
Et pour le rappeler, on a toujours le petit code promo sur le site Carnasport. Moins 10%. Voilà. 10% sur tout le site, donc franchement c'est une bonne remise. Avec le code DuoFishing10. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit. Oui, voilà. Donc voilà, on vous a cette petite vidéo pour vous informer un peu des actualités du moment. Donc voilà. Donc samedi, on vous sort une vidéo de pêche. Voilà, avec quelques petits poissons. Quelques petits poissons. On sort quand même une vidéo de pêche. Hein. Donc voilà, on se donne rendez-vous samedi. Allez, ciao tout le monde. Allez, salut. Salut tout le monde.